Ma chère maman, si tu savais combien tu me manques, combien de fois je rêve de me blottir contre ta poitrine, en sécurité, de m'imprégner de ton parfum, comme lorsque j'étais toute petite. Maman, tu me manques. Comme le goût et l'odeur de ton pain, de ton café aux épices orientales, des gâteaux de l'Aïd accompagnant l'heure du thé, que tu savais si bien prolonger avec tes histoires et tes contes. Elle me manque, la chaleur de l'Égypte, celle du soleil, mais aussi celle des réunions de famille, des amis. Et les voisins, le bruit, les bruits me manquent. Ceux des enfants jouant dehors, des vendeurs de rue, et même celui incessant des klaxons de voitures. Il me manque l'humour des Égyptiens avec leurs blagues délirantes. Je regrette les balades dans le vieux Caire et les nuits d'été où l'on s'oublie dans les cafés jusqu'au matin. Voilà 8 ans que je suis en France. Je vis en Bretagne avec mon mari bien-aimé et son adorable famille. Ils ont bien pris soin de moi dès mon arrivée, ce qui a allégé mon sentiment de perdition, sans vraiment pour autant me rendre les choses plus faciles. Je connaissais le Caire par cœur, ses quartiers, ses rues, ses passages. Alors que je me retrouvais ici, comme une enfant ayant perdu ses parents sur un marché, je me sentais vide de tout savoir et face à mes manques. Je ne parlais pas le français, ne savais comment me comporter. Mes diplômes et expériences professionnelles n'étaient pas reconnus. De plus, je ne possédais pas le permis de conduire et ne pouvais donc postuler pour aucun travail. Alors que j'étais indépendante dans mon pays, journaliste épanouie, toujours entourée d'amis et de connaissances, dans une vie active, animée de colloques, de festivals, de célébrations et de mouvements, je me retrouvais étrangère, dans un monde inconnu, sans lien avec mon passé. Je devais recommencer une nouvelle vie, apprendre le français et redevenir une étudiante à plus de 30 ans. Cependant, je me sentais fière de faire des études dans une université française, l'université de Rennes, et en langue française. Mais entre cette langue et moi, il reste comme une barrière imperméable. Elle représente un défi que parfois j'ai du mal à relever, malgré ma volonté. Elle me semble toujours anormale et illogique. Je la trouve très difficile à comprendre et surtout à prononcer. Un monde la sépare de ma langue maternelle, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Malgré mes progrès et des efforts pour la maîtriser qui m'ont épuisée intellectuellement, je ne me sens toujours pas parfaitement à l'aise pour la lire et l'écrire. Et cela me fait honte. Maman, je ne peux envisager que tes petites filles, Isis et Elsa, me regardent comme je t'ai vue, moi, enfant, une mère analphabète. Ce dilemme m'entrave, me fait perdre confiance, m'isole parfois et reste toujours le seul obstacle à ma pleine intégration en France. Dans ce pays, la nature est propre et charmante, mais je déteste l'hiver. Il est trop long et chaque année, j'ai l'impression qu'il n'en finira jamais. Le froid me blesse et me manque de lumière, me déprime. Les gens, ici,
sont au fond de vraiment bonnes personnes. Mais ils se montrent parfois froids, distants et insensibles. En tant qu'égyptienne, je me sens par contre très bien perçue par eux. Ils sont fascinés par notre civilisation et notre pays. Et non pas, me semble-t-il, d'a priori négatif. Ils travaillent bien, avec efficacité, qualité, précision et organisation. Mais ils font toujours les choses de la même manière, de façon répétitive, dans le cadre très rigide de ce qu'ils appellent le système. Je trouve parfois cela ennuyeux. La routine s'installe. L'aléatoire me manque beaucoup, ainsi que les surprises, les incongruités, le bazar. Maman, tu es ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Je suis nostalgique de ta présence, de mon pays et de ma culture. Mais il y a une seule chose que je regrette. Je regrette d'être née femme dans cette société. Je l'ai toujours regretté depuis l'enfance. Avoir une fille, pour toi et pour toutes les autres mères, les autres parents, représente une charge, des contraintes et des obligations. Est-ce pour cette raison que l'on punit les filles par l'excision dans notre pays ? Et toi, maman, est-ce que tu as voulu me punir aussi en décidant mon excision ? Ou bien me protéger ? Je ne veux pas de toi une réponse. Et je ne veux pas non plus que tu sois triste. Je sais que tu n'as fait que reproduire ce que l'on t'avait infligé à toi-même, ainsi que toutes les autres mères à ton époque. Aujourd'hui, je suis maman à mon tour, maman de deux filles. Et je suis triste qu'elles grandissent loin de toi. Elles refusent de parler l'égyptien malgré ma persévérance. Elles n'en voient pas l'utilité, vivant très loin de ma culture et de mes origines. Mais je veux les voir vivre et grandir libres de leurs pensées et de leur corps, dans une société qui ne les punira pas d'être femmes, les respectera et les protégera en tant que telles, avec ou sans virginité. Je t'aime, ma maman, mais je ne reviendrai pas. Je suis un arbre déraciné de sa terre qui a été replanté dans un autre sol, plus propice. Restera toujours des racines profondes là-bas, chez toi. Mais elles se sont ramifiées, entrelacées aux nouvelles et ancrées profondément dans ma deuxième patrie. Je suis cet arbre qui est alimenté par deux terres. Je suis maintenant ce mélange. Je t'aime, maman, du fond de mon cœur, et je ne te déteste plus. Je t'aime davantage depuis que je suis mère. Je comprends seulement maintenant que ça n'a pas été facile pour toi. Je t'aime et te pardonne, comme je souhaite que mes filles puissent me pardonner un jour si je fais une erreur en leur défaveur, sans le vouloir. Je t'aime et je regrette que tu n'aies pas pu vivre ta propre vie, librement et pour toi-même. Tu n'as jamais connu les plaisirs ni la joie de la lecture, de l'écriture et de la culture. Je t'aime, maman, et je te remercie parce que tu m'as éduquée en m'autorisant à être l'antithèse de toi. Ta fille, aimante et respectueuse, Eba.